Parfumist, qui est une application gratuite qui permet à l'utilisateur d'en comprendre davantage sur son parfum, comprendre notamment les notes qui constituent son parfum en notes de tête, de cœur et de fond, et sur base de la compréhension qu'on a de son profil olfactif, d'avoir des recommandations qui seront tout à fait adaptées à ses goûts. En termes d'application, dans la parfumerie, il n'y en a pas des masses. En fait, on va trouver des applications éventuellement chez les retailers qui ont essayé différentes solutions pour digitaliser un petit peu l'expérience en magasin. Mais des applications indépendantes de retailers et de marques, aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Donc on a eu la chance d'être les premiers un peu sur ce marché et de prendre de l'avance là-dessus. Pourquoi est-ce que les autres solutions ne marchent pas forcément? C'est que les utilisateurs n'ont pas forcément confiance en une application retailer pour des questions de biais plus ou moins évidents. Et en plus, parce qu'en fait, les utilisateurs, ils veulent pas avoir une application chez chacun des retailers. Ils veulent avoir éventuellement une application, ça, ils sont prêts, mais pas avoir 12 applications pour à chaque fois qu'ils vont dans un magasin ouvrir une application différente. Et c'est pour ça qu'on a une vraie force là-dessus. Et cette question d'indépendance, pour nous, elle est vraiment très importante de garder notre indépendance vis-à-vis des marques comme des retailers. Contrairement à Yuka, qui est plus dans la qualité du produit, nous, ce qu'on vient simplement donner comme information, c'est la composition du produit. Parce que bon, globalement, les parfums sont faits par des parfumeurs, sont de bonne qualité, la question n'est pas trop là. Puis les questions de risque sanitaire ne se posent pas tellement dans les parfums. Donc on laisse à Yuka la partie qualité. Mais nous, ce qu'on vient apporter, c'est vraiment l'information de comprendre que dans le parfum que je porte, il y a éventuellement de la vanille, il y a du vétiver, il y a du patchouli, il y a de la bergamote. C'était un peu l'historique de la société, c'est que on a chacun des notes, des univers olfactifs dans lesquels on est assez confortable et on va, même quand on change de parfum, souvent on se rapproche de ces notes qui nous plaisent et c'est ça en fait qu'on vient mettre en exergue dans l'application. On change les codes, là jusqu'à présent la clé d'entrée pour la vente du parfum c'était beaucoup la marque, avoir une approche de marque et un univers de marque. Nous on essaie de refaire passer ce qui pour nous est le plus important dans le parfum qui est la composition, qui est l'olfactif, les notes. Et c'est ça qu'on remet en avant. Et dans ce sens-là, on change le monde de la parfumerie. Ouais.